it's a project about everybody's stories. And so we each connect through each other's stories, and we get to tell our story to each other and then interpret that in our bodies. And I think that's beautiful, you know. Sophie has really created something very special out of all our stories of strength, of fragility, and it really is a beautiful project. On a une écriture qui part en tout cas de la singularité de chacun. La première thématique sur la fragilité des êtres. Pour travailler cette fragilité des êtres, on a travaillé sur les cicatrices visibles et les cicatrices invisibles de chacun. Ok, donc on va travailler sur les solos qu'on a fait hier, les solos de cicatrices invisibles, qu'on va remodeler à deux. Mais attention, comme vous l'avez créé, il y avait déjà des déséquilibres. Donc on veut les voir aussi, on veut voir du déséquilibre dans cette séquence, d'accord ? On a une chance d'avoir une équipe d'artistes, de danseurs juste incroyable, où la connexion et la relation à l'autre s'est faite automatiquement parce que certains se connaissaient et d'autres ont été accueillis avec toute la bienveillance que nous on attend dans nos travaux en fait. Et donc du coup la connexion entre les danseurs avec et sans handicap se fait d'une simplicité et d'une beauté qui est déjà évidente. Finalement on n'accueille pas des danseurs valides, des danseurs en situation de handicap, non, on accueille des danseurs. Et on avance ensemble. We dance because we love being in our bodies and enjoying being in our bodies. And yeah, if that shows a strong message. I think sometimes there is strength in gentleness and strength in beauty and strength in fragility. And I think that gets a message across a lot better than a lot of anger and rage. On peut être artiste en situation de handicap, on peut transmettre l'émotion, qu'il y a une place à donner à ces artistes qui amènent une différence. Donc ça, c'est l'un des messages qu'on veut donner. Puis après, c'est vraiment une pièce totalement inclusive, donc où la différence disparaît totalement. Tu prends le déséquilibre. Voilà, là, il faut qu'elle soit vraiment là, absorbée. Donc dans tout ça, là, on vient vers elle, OK ? Qu'elles soient la pointe toutes les deux du déséquilibre et que tu en sortes. Ce sont des danseurs professionnels qui ont une habitude de scène. Le jour où la culture française accepte que ce projet existe et soit programmé comme n'importe quel spectacle lambda, ben là, on sera vraiment dans l'inclusion. When I was a child, I loved dancing, but I never saw somebody like me on stage. And so I think about that when I'm dancing, that maybe there's some little girl or young boy, very short like me, who wants to dance. And then they see me and think, oh, I can do, yeah, look, I can do that. It's possible. J'espère donner de l'émotion,
raconter des histoires, parler corps et donner de l'émotion. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. C'est véhiculer un message qui est encore plus grand. Dernièrement, il y a un de nos spectateurs qui, en nous voyant, a dit « Ah, c'est possible. C'est possible de vivre ensemble. » Et voilà, ça, c'est le plus beau des retours qu'on peut avoir.